Cette vidéo concerne le championnat d'Angleterre de rugby à 15. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le terme défini championnat d'Angleterre de rugby à 15 2019-2020 qui porte le nom Langue Angalag, premier site de son sponsor du moment, oppose les 12 meilleures équipes anglaises de rugby à 15. Le championnat débute le date 18 octobre 2019 en rugby à 15 et achève le date 20 juin 2020 en rugby à 15 par une finale au stade de Twickenham à Londres. Une première phase de classement voit affronter toutes les équipes en match aller et retour. À la fin de cette phase régulière, les quatre premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales et la dernière du classement est rétrogradée en championnat d'Angleterre de rugby à 15 de deuxième division FU Championship. La saison se termine sur une phase de langue en play-off avec des demi-finales et une finale pour l'attribution du titre. Liste des équipes en compétition, image géolocalisation Angleterre, image play, club participant à l'édition 2018-2019. La compétition oppose pour la saison 2019-2020 les 12 meilleures équipes anglaises de rugby à 15, Bath Rugby, Bristol, Bar, Exeter, Chief, Rugby Club, Gloucester, Rugby Football Club, Harlequin, Rugby Football Club, Leicester, Tiger, London, Iris, Northampton, Saint-Stall, Star, Saras, Stanwas, Worcester, Warrior. Résumé des résultats phase régulière. Classement de la phase régulière, les Saras ont eu 35 points de pénalité pour non-respect du salary cap, sanction non définitive. Les Sarastans ayant contesté cette décision, lien web, l'équipe F Rugby Actualité, Coupe des Europes. Les Sarastans à nouveau sanctionnent 1 077 325 rugby. Ce site, l'équipe F titre Coupe d'Europe. Les Sarastans à nouveau sanctionnés. Consultez le 12-11-2019, attribution des points, victoire sur tapis vert, 5 victoires, 4 matchs nuls de défaite, 0 forfait de plus, les bonus offensifs, 4 essais marqués défensifs, défaite par 7 points d'écart maximum. Règles de classement en lien web, résultats détaillés, les points marqués par chaque équipe sont inscrits dans les colonnes centrales 3-4, alors que les essais marqués sont donnés dans les colonnes latérales 1-6. Les points de bonus sont symbolisés par une bordure bleue pour les bonus offensifs, 4 essais ou plus, orange pour les bonus défensifs, défaite par moins de 7 points d'écart, rouge si les deux bonus sont cumulés. Première journée vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre. Deuxième journée vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre. Troisième journée vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 novembre. Quatrième journée vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre. Cinquième journée vendredi 29 et samedi 30 novembre. Dimanche 1 décembre. Sixième journée vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 décembre. Septième journée vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 décembre. Huitième journée vendredi 3, samedi 4 et dimanche